بسم الله. Alors, voici le volet des urgences abdominopelviennes. Donc ça, vous savez que c'est la situation la plus fréquente dans laquelle un examen échographique est toujours demandé en premier lieu. D'accord? Donc les urgences abdominales, hein, douleurs, etc. La clinique, elle est variable. Hein. Il y a les urgences post-traumatiques, les urgences non traumatiques. D'accord? La clinique, elle est variable, mais le maître symptôme, c'est la douleur. Donc la douleur d'installation récente, brutale, aiguë. Et il y a plusieurs critères de classement des urgences, d'orientation en fonction de la situation, en fonction de l'âge, en fonction des antécédents du patient. Déjà, vous êtes un peu orienté, d'accord? En fonction du siège de la douleur, c'est ni il y a de la douleur épigastrique, bon, c'est plutôt l'estomac, les voies biliaires, etc. Les douleurs des fosses iliaques, quand c'est à droite, c'est plutôt l'appendice, hein, c'est ce qui va avec. À gauche, si c'est une dame, c'est plutôt les ovaires. D'accord? Un des sujets âgés, c'est la pathologie sigmoïdienne, hein, les complications aiguës de la pathologie sigmoïdienne. Et quand la douleur est diffuse avec arrêt des matières et des gaz, avec un abdomen ballonné, etc., là, on pense au péritonite et au syndrome occlusif. Donc, déjà, vous avez les antécédents, la clinique, le type, la douleur, qui peuvent déjà vous permettre de mettre cette urgence dans un tiroir bien déterminé. Et bien sûr, bon, bien sûr, parce qu'il y a toujours des variantes. Il y a, non, je vous ai raconté l'histoire de hein, des gens qui viennent pour des douleurs lombaires et c'est des appendicites. Hein. Et le contraire est vrai. Hein. D'accord. Mais dans la plupart des cas, la clinique n'est pas trompeuse. Donc, si vous êtes bon clinicien, si vous examinez bien votre patient, si vous l'interrogez bien, déjà vous avez une idée de ce qui, de ce que ça peut être. Par exemple, vous recevez quelqu'un avec un abdomen aigu, d'accord, douleur, arrêt des matières ou fluctuation du transit. En l'examinant, vous voyez qu'il a des cicatrices abdominales, donc vous demandez, donc c'est quelqu'un qui a déjà été opéré une, deux ou trois fois. Là, vous pensez à une occlusion. Voilà. Très bien, sublime. Donc la clinique, elle reste importante. Elle reste importante. Donc il faut jamais. Et bien sûr, il faut toujours compléter avec un examen échographique. Bon, l'échographie en matière d'urgence, il y a certaines urgences qui sont typiques quand on fait l'échographie. Le diagnostic pour quelqu'un qui est expérimenté, hein, on peut voir une appendicite en une minute. Hein. D'accord? Une minute, on peut voir une appendicite. Hein. On peut voir une occlusion, une péritonite en une minute, en deux minutes. Mais des fois, l'échographie reste un peu muette. Hein. Donc, et là intervient toujours le problème, hein, des sujets obèses, etc., qui sont hyper, hyper gazés, d'accord, au niveau du côlon. Mais dans la plupart des cas, l'échographie pose le diagnostic. Mais sinon, elle oriente vers un autre examen plus performant, plus. Et les urgences abdominales, c'est le scanner. Hein, d'accord? Ce n'est pas l'IRM, c'est le scanner. Donc le scanner arrive à faire le diagnostic de façon très aisée maintenant, avec une sémiologie bien établie des urgences abdominales. Le scanner voit les appendicites, voit les occlusions, voit les. D'accord? Alors, la douleur, c'est le maître symptôme. Hein. Vous le savez très bien. Donc il y a l'écho, avec le Doppler, bien sûr, qui est devenu l'outil incontournable pour la prise en charge. Alors pour les urgences traumatiques, dans les centres qui sont bien équipés, quand il y a un scanner, etc., on préfère faire directement ce qu'on appelle un body scan. D'accord? Donc un body scan, le body scan, il est fait en 40 secondes. Hein. 40 secondes, hein, vous avez votre patient de la tête jusqu'au dernier orteil, et donc là, vous pouvez faire votre bilan lésionnaire tranquillement. D'accord? Mais bon, quand il n'y a pas de scanner, on se contente des radiographies et de l'échographie. Bon, on passe l'écho, c'est l'écho rapide, etc. Bon.
les appareils utilisés, c'est les mêmes appareils qu'on utilise pour faire de l'échographie quotidienne. Donc, les conditions qui rendent l'examen difficile, le météorisme, hein, l'excès de gaz abdominaux, l'état de la paroi et la non-coopération du patient. Parce que des fois, le patient, il a trop mal, il n'arrive pas à se tenir tranquille, d'accord? Il gémit, etc. Il peut vous déranger, mais bon, ça, c'est pas. Donc, le problème, c'est surtout le météorisme abdominal. Bon, l'état de la paroi, c'est vrai qu'il y a des. En fonction de la qualité de la peau, il y a des gens qui sont échogéniques et d'autres moins. Hein? D'accord? Donc, l'examen, il doit être complet, minutieux, d'accord? Méthodique. Hein? Il faut explorer toutes les poches abdominales, depuis l'épigastre jusqu'au pelvis. Matériel, c'est la même chose, toujours. Il faut deux sondes, la 3,5 et la superficielle. Alors, l'épanchement, il est très 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 facile à voir. Hein? D'accord? L'épanchement, inchallah, vous allez voir, je vais vous montrer plusieurs cas cliniques. Vous allez voir que l'épanchement, c'est très facile. Hein? C'est du liquide anéchogène dans la cavité abdominale avec les anses intestinales qui flottent dedans. D'accord? Alors, il faut toujours. Chez un traumatisé, il faut toujours commencer par chercher la présence de liquide qui pourrait vous orienter vers un hémopéritoine. D'accord? Si vous trouvez du liquide hémopéritoine, là vous passez à la seconde étape qui est de rechercher d'où vient cet hémopéritoine. Est-ce qu'il est d'origine rénale, est-ce qu'il est d'origine hépatique, d'accord, intestinale, etc. Et quand vous avez déjà de l'épanchement, ça oriente déjà vers la présence d'un hémopéritoine. L'organe le plus fragile, le plus touché en matière de traumatisme, c'est la rate. Voilà, donc il faut toujours chercher une lésion de la rate. Alors il faut commencer à chercher ces liquides au niveau de l'espace de Morrison, hein, interhépato-rénal droit, en périhépatique, sous-capsulaire hépatique, en périsplénique, dans les gouttières pariétocoliques et dans le Douglas. Et tout ça, si vous voulez. C'est le labyrinthe de circulation du péritoine. D'accord? Ça, c'est les espaces péritoniaux qui communiquent entre eux. Donc, il faut essayer de quantifier, de dire s'il est abondant ou modéré. D'accord? Et bien sûr, voir s'il n'y a pas un épanchement pleural associé ou la péricardique. D'accord? Alors, pour la quantification, moi, un émetteur, d'accord? Il y en a certaines équipes, certaines écoles, qu'il faut mesurer l'épaisseur de l'épanchement par rapport à je ne sais pas quoi, par rapport à la paroi, tatari, tatara. Moi, je dis s'il est modéré ou abondant. D'accord. Modéré, quand tu as un peu de liquide, d'accord. Mais abondant, vous allez voir que vous allez vous rendre compte qu'il est abondant. Il y a beaucoup de liquide. Quand il y en a peu, un peu dans le Morrison, un peu dans la gouttière pariétocolique, une petite lame dans le Douglas, là, vous pouvez dire qu'il est modéré. Donc voilà, ça c'est. Il faut toujours commencer par, si vous voulez, l'hypochondroie, mais faites l'examen comme je vous l'ai montré, l'épigastre et le reste de l'abdomen, doucement, attentivement, parce que le malade, déjà, il est dans un mauvais état. Donc, il faut essayer de ramasser le plus de renseignements possibles que l'échographie puisse nous fournir pour faire un bilan lésionnel le plus précis possible et pour sauver la vie du patient. Donc, il faut toujours chercher cet épanchement, c'est très important. Alors, quand il n'y a pas d'épanchement, c'est déjà pas mal, d'accord? Quand il n'y a pas d'épanchement, il n'y a pas d'hémopéritoire, donc c'est déjà pas grave. Vous avez une idée que vous savez que ce n'est pas méchant, il n'y a pas de rupture d'organe, bon, les petites lésions de la rate qui ne saignent pas, les petites lésions du rein, du foie, ça, elles sont gérables cliniquement. Il suffit que le patient se repose et tout va rentrer dans l'ordre. Et quand il y a un épanchement, faites attention. Si vous voyez un épanchement au niveau en périhépatique ou là, au niveau du Morrison, il faut aller le chercher ailleurs. Et l'épanchement, vous pouvez le voir avec cette sonde et avec la sonde superficielle. D'accord? Donc voici l'espace de Morrison. Vous le connaissez tous. D'accord? C'est un repli péritonéal. Hein? Il y a le feuillet viscéral hein, qui va couvrir ici la surface du rein, de la capsule du rein, et revenir sous la face inférieure du foie et partir vers les autres espaces péritonéaux. Donc là, cherchez toujours une lame liquidienne au niveau du Morrison. Et quand elle est là, vous la verrez, ne vous en faites pas, elle est très facile à voir. Hein. D'accord? C'est une image enfin, anéchogène, hein, liquidienne, et vous allez voir que c'est très très facile à voir, même quand l'épanchement est vraiment infime. Et là, au passage, c'est le cul-de-sac pleural. Hein. D'accord?
Donc, quand vous faites cette coupe, la coupe foire, hein, en intercostal, essayez toujours de voir s'il n'y a pas un peu de liquide au niveau du cul-de-sac pleural droit. Et là, ça va décoller cette zone, ça va donner un angle, un triangle anéchogène. Donc, c'est un triangle anéchogène assommé diaphragmatique. Donc, vous allez voir une image comme ça, triangulaire, avec en dedans du liquide anéchogène. Voilà, regardez ici cette coupe. D'accord? Foie, rein, le morceau. Vous voyez cette toute petite lame? Vous la voyez? Vous voyez, même quand c'est vraiment, vraiment, vraiment infime, hein, très modéré, une petite lame liquidienne, vous la verriez de façon aisée, hein, très facilement. Voilà, regardez. Toute petite lame de liquide dans le morisson. Donc, rappelez-vous de cette image. C'est très facile à diagnostiquer. Bon, là, l'épanchement, il est un peu plus abondant, hein. Et là, vous voyez que, hein, ça va autour du foie, hein, tous les contours du foie. Donc, image anéchogène qui souligne bien les contours de l'organe du foie. Et là, ici, ça va aller vers le morisson. Donc, image anéchogène. Et là, c'est un épanchement qui est liquide, homogène, qui n'est pas épais. Voici un autre épanchement minime, très modéré. Et une autre petite lame ici, vous la voyez? Épanchement modéré. Voici un épanchement qui est abondant, hein, très abondant, enfin très abondant, d'accord? Donc, il est en sous-capsulaire périhépatique et il va décoller l'espace de Morisson. Et là, si vous le suivez ici, vous descendez, vous allez voir qu'il va combler la gouttière pariétocolique droite et à gauche, la gouttière pariétocolique gauche vers le cul-de-sac de Douglas. Donc, image anéchogène. Typique d'épanchement liquidien. Voici l'image du triangle de l'épanchement pleural. D'accord? Rappelez-vous, le triangle assommé diaphragmatique. Et là, c'est un épanchement pleural typique et on le voit très très bien avec la sonde sectorielle. Avec la coupe, rappelez-vous de la coupe pour voir le foie droit. D'accord? Vous faites cette coupe et vous ne raterez jamais un épanchement pleural droit. Donc c'est une image typique triangulaire. Ça c'est le cul-de-sac pleural inférieur. Donc dont le sommet est diaphragmatique avec le reste de la cavité pleurale. Donc l'épanchement pleural, c'est-à-dire, il faut bien le voir. Est-ce qu'il est homogène? Est-ce qu'il est épais? D'accord, dans un contexte traumatique, quand il est épais, ça veut dire qu'il est hématique. Et là, c'est un épanchement qui n'est pas très abondant, mais bon, qui est quand même de moyenne abondance. Donc, rappelez-vous, les épanchements, hein, même quand ils sont minimes, on les voit très bien. Regardez cette petite lame. Cette petite lame, cette petite lame. Épanchement abondant et épanchement pleural. Bien sûr, quand vous avez un épanchement pleural comme ça, il faut continuer l'examen. Il faut aller chercher s'il n'y a pas des lésions au niveau de l'abdomen. Hein? D'accord? Et quand il y a un épanchement pleural comme ça, bon, il faut toujours indiquer un scanner pour chercher des fractures de côte, d'accord? Pour voir les fractures de côte, pour voir s'il n'y a pas de lésion du parenchyme pulmonaire, etc. Voici un autre épanchement. D'accord, vous voyez bien que l'hémicoupole, là, il y a un décollement entre les feuillets, hein, le feuillet viscéral ici et le feuillet pariétal de la plèvre. C'est comme pour le péritoine, c'est la même chose. Donc le triangle anéchogène assommé diaphragmatique. Regardez ça. Et regardez là, ça c'est une image agrandie, rapprochée. Ça c'est le foie.
Ça, c'est la vésicule, et là, c'est un bout de rein avec la loge surrénalienne ici. Donc, épanchement pleural, rappelez-vous de cet aspect. Vous le verrez toujours de cette façon. Voici. Donc, vous avez vu l'hypocontre-3, vous avez exploré votre foie, vous avez exploré la vésicule, les voies biliaires, l'espace de Morrison, le rein droit et le cul-de-sac pleural droit. Vous avez fait votre bilan lésionnel. Là, vous passez de l'autre côté, bien sûr. Il faut explorer tout l'abdomen, toute la cavité abdominale. Et là, c'est l'exploration de l'arête, bien sûr. Donc, l'arête, il faut toujours bien l'explorer. Donc, l'arête, en matière de traumatisme, vous l'explorez avec la sonde sectorielle et vous faites ce qu'on appelle un second look avec la sonde superficielle. Parce que certaines petites lésions sous-capsulaires, ici au niveau de l'arête, d'accord? Sous-capsulaires, des petites lésions sous-capsulaires peuvent passer inaperçues avec la sonde profonde. D'accord? Donc vous faites l'examen avec la sonde profonde, convexe, et vous faites un deuxième examen, un deuxième passage avec la sonde superficielle, on va le voir, inchallah, qui va vous permettre de bien voir la capsule superficielle de la rate. Et là, bien sûr, vous recherchez s'il n'y a pas une lésion à l'intérieur de la rate, d'une fracture, s'il n'y a pas un hématome, une collection. D'accord? Et bien sûr, le rein gauche au passage. Et le cul-de-sac toujours, hein? Le cul-de-sac pleural tenu, c'est la même chose. S'il y a un épanchement au niveau du cul-de-sac pleural gauche, c'est le même aspect. Triangle anéchogène, assommé diaphragmatique. Donc voici une rate avec un épanchement périsplénique. Vous le voyez? Un épanchement périsplénique. Et on voit que le parenchyme est homogène. Donc, a priori, il n'y a pas de lésion. Il y a une petite lésion des vaisseaux capsulaires qui ont saigné et ça a donné cet épanchement en périsplénique. Donc, à gauche, vous avez la rate, vous avez le rein gauche et vous avez le cul-de-sac pleural gauche. Donc, vous explorez la rate, vous voyez votre rein tenu, s'il n'y a rien, fait le rein et le cul-de-sac pleural. Voici un épanchement qui est plus abondant en avant qu'en arrière ici. Ça, c'est les artefacts du côlon gauche toujours. Quand on explore. Alors, les gouttières pariétocoliques, hein, c'est des gouttières qu'on ne voit pas à l'état normal quand elles ne sont pas remplies de liquide. On ne les voit pas, c'est un espace virtuel. Enfin, virtuel, non, il existe, mais il est collabé à l'état normal, on ne le voit pas. Et c'est tout à fait la paroi externe de la cavité abdominale à droite et à gauche. Et cet espace, les replis péritonéaux descendent le long. Les gouttières pariétocoliques traversent les fosses iliaques droite et gauche et vont se replier encore au niveau du Douglas. Donc, toutes les poches péritonéales communiquent les unes avec les autres. Et quand il y a un épanchement au niveau d'une loge péritonéale, il peut éventuellement aller se collecter dans les autres poches péritonéales. Ah, voici une échographie. Hein, faites au niveau du flanc droit. Et là, vous voyez que vous avez un épanchement au niveau de la gouttière. Hein. Donc, c'est la partie la plus externe. Là, c'est la paroi abdominale, la peau et tout ce qui s'ensuit. Et là, vous avez du côlon, hein, de l'intestin, avec son aspect toujours hétérogène. Hein. Et là, vous avez du liquide tout autour. Alors là, je ne sais pas si c'est la face tout à fait inférieure du foie. Là, c'est un épanchement qui est épaissi ici, mais bon. Donc, voici la gouttière pariétocolique droite comblée de liquide. Et la présence du liquide dans la gouttière pariétocolique est également facile à voir. C'est comme pour toutes les loges péritonéales. Vous avez toujours cet aspect anéchogène qui décolle les feuilles péritoniaux et vient ici se plaquer contre ce côlon droit. Et là, vous le suivez, vous allez voir que en descendant,
Vous allez voir qu'il va aller, cet épanchement va aller rejoindre le cul-de-sac de Douglas. La fosse iliaque droite, puis le cul-de-sac de Douglas. Et vous avez toujours le signe du glaçon. Le signe du glaçon, c'est les anses intestinales qui flottent dans le liquide. Donc rappelez-vous cet aspect, hein, du liquide, aussi bien à droite qu'à gauche. Hein. Aussi bien à droite qu'à gauche. Donc voici la gouttière pariétocolique à gauche, là. Vous avez la paroi, toujours ça, les intestins, bon, le côlon, là, le jéjunum. Ça dépend où nous sommes. Et vous avez toujours cet épanchement. Avec ici ce niveau liquide-liquide. Hein. Niveau liquide-liquide, bon, ça c'est un épanchement hématique. Avec un aspect épais ici. Donc dans un contexte traumatique, ça ne peut être qu'un pneumopéritoine. Et là, c'est assez abondant, hein. C'est pas modéré. C'est une indication chirurgicale. Après, bien sûr, bilan lésionnel. Donc rappelez-vous cet aspect à droite, liquide et à gauche. Un échogène, des colons, les feuillets péritonéaux, le feuillet péritonéal pariétal et viscéral. Bien sûr, bon, l'épigastre, n'oubliez pas l'épigastre. Hein. On voit le foie à gauche, le pancréas. S'il n'y a pas un épanchement au niveau de l'arrière-cavité des épiplans. D'accord? Et bien sûr, les vaisseaux épigastriques. Et vous pouvez, en inclinant la sonde vers le haut, jeter un petit coup d'œil sur les cavités cardiaques et voir s'il n'y a pas un épanchement au niveau du péricarde. L'épanchement du péricarde, il est facile à voir, tenez, très facile. C'est un décollement de la paroi cardiaque ici. Vous allez voir qu'il y a un dédoublement, un échogène ici avec du liquide tout autour des cavités cardiaques. C'est facile à voir, tenez, c'est évident. Quand il y a du liquide au niveau du péricarde, c'est très évident. Soit dans un contexte traumatique ou là dans un autre contexte pathologique, qui m'a les lymphomes, les tuberculoses, etc. Tout ça. Donc l'épanchement péricardique, il est très facile à voir. Hein. C'est un dédoublement ici, un échogène, qui suit tout le pourtour du cœur. Ben, il peut être modéré et homogène, et il peut être abondant et hétérogène, hématique ou purulent. Donc les péricardites, etc. Et là, c'est la région épigastrique, bien sûr, avec la veine cave, l'aorte, le départ du tronc cœliaque, etc. Le foie gauche, ligament rond, et bien sûr le rachis en arrière. N'oubliez pas de jeter un coup d'œil sur les cavités cardiaques. Ben, vous n'êtes pas obligé, hein. L'échographie, vous n'êtes pas cardiologue, vous n'êtes pas obligé, mais puisqu'on peut le faire, faites-le. Faites-le, jetez un coup d'œil. Un coup d'œil. S'il n'y a pas de liquide, vous pouvez mettre dans votre compte rendu pas d'épanchement péricardique. Et c'est bien, c'est rassurant pour le patient et son médecin. Voici l'épanchement, comment on le voit. C'est un dédoublement très facile. Hein. Donc rappelez-vous, là, vous avez le myocarde et le péricarde. Le péricarde, on ne le voit pas à l'état normal. Hein. C'est un feuillet qui met le péritoine. Hein. C'est un feuillet de couverture des cavités cardiaques. On ne le voit pas quand il n'y a pas de liquide, quand il n'y a pas d'épanchement. Voilà, comme on le voit à l'état normal, hein, c'est une ligne continue, échogène, comme ça. Il y a le myocarde et le péricarde. Mais quand il y a du liquide, ça se décolle. Voilà, là, il est minime, hein, il est minime, modéré, mais on le voit quand même. Hein. Vous voyez qu'il y a une ligne, un échogène, qui s'interpose entre le myocarde et le péricarde. Et là, c'est du liquide. Hein. Et là aussi, vous voyez ce liquide, hein, tout autour du cœur, on le retrouve ici, avec même ici un épaississement. Un épaississement du myocarde. Voilà, donc l'épanchement péricardique, il est également aisé à voir, facile. Mais ça se voit, c'est du liquide autour du cœur. Là, c'est le système valvulaire, vous avez le ventricule droit, le ventricule gauche et les oreillettes ici. Donc, épanchement péricardique minime ici et là. Il est quand même assez abondant. Hein.
Et il peut être compressif et donc l'épanchement péricardique, rappelez-moi, voici l'aspect normal. Donc myocarde péricarde, quand il y a de l'épanchement, ça décolle. Et le pelvis, bien sûr, il ne faut jamais oublier le pelvis. D'accord? Donc le pelvis, il faut voir la vessie. S'il n'y a pas de lésion de la vessie, s'il n'y a pas de rupture de la paroi de la vessie, s'il n'y a pas de lésion au niveau des organes génitaux chez la femme, hein, l'utérus, les ovaires, mais là c'est un peu exceptionnel. Mais il faut surtout voir s'il n'y a pas de liquide au niveau du cul-de-sac de Douglas. Donc voici une coupe réalisée chez une femme. Hein. La vessie avec l'utérus qui est un peu rétroversé ici, transversale, et une coupe longitudinale, et vous avez toujours l'utérus qui monte avec votre vessie. Et là, s'il y a du liquide, il irait se déposer au niveau du cul-de-sac. Là, c'est le rectum, bien sûr, avec ces images hyper échogènes. Donc voilà, quand il y a du liquide, vous avez la vessie, d'accord, qui n'est pas bien pleine, et là, vous avez du liquide. Donc ça, ce n'est pas la vessie. Hein. Ça, c'est pas la vessie. Hein. C'est ça, la vessie. Parce qu'elle n'est pas bien pleine. Mais là, vous allez voir, quand vous faites l'échographie, c'est facile de faire la différence, parce que vous allez voir que ce liquide se continue avec du liquide qui monte vers les fosses iliaques. D'accord? Et là, vous avez la prostate derrière. Donc voici du liquide qui comble le cul-de-sac de Douglas, qui est la dernière station d'accumulation des liquides intra-péritonéaux. Aussi un tout petit peu de liquide là, hein, au niveau du Douglas, mais ça peut être physiologique. Hein. De la femme, surtout en fonction de la période du cycle menstruel, hein, ça peut être physiologique au cours de l'ovulation. Donc ça, une petite quantité comme ça, dans un autre contexte, hein, dans un contexte d'exploration normale, vous n'êtes pas obligé de le signaler, mais bon, si vous voulez dire qu'il y a un discret épanchement du Douglas, vous pouvez le dire, c'est pas méchant. Mais regardez, l'épanchement, il est toujours facile à voir. Hein. C'est une image anéchogène, typique. Même chez les enfants, quand vous faites l'échographie, d'accord, chez l'enfant, la cavité péritonéale, elle est hyperactive. Elle est, donc, taurushuya d'examen, le péritoine commence à réagir, à sécréter. Et là, vous allez vous rendre compte qu'au début d'examen, il n'y a rien, mais avant de terminer l'examen, la fosse iliaque, c'est du liquide qui commence à s'accumuler dans la cavité péritonéale. Les enfants, c'est physiologique. Tension de goulot, épanchement péritonéal. Bon, ça contient un contexte traumatique ou la pathologique, mais à être la sonde à côté le gars ou l'épanchement. Un de l'enfant. Hein. Un de l'adulte, non. Un de l'adulte, il n'y a aucune raison qu'il y ait du liquide, sauf chez la femme, au cours de la période ovulatoire. Les jeunes dames, bien sûr, en activité génitale. Vous pouvez trouver un peu de liquide, toujours à Kagda, au voisinage de l'utérus, dans le Douglas, qui est en rapport avec les phénomènes ovulatoires. Et ça, c'est. L'ovulation, c'est. Chez certains patientes, ça pose un gros problème de diagnostic différentiel avec l'appendicite, parce qu'il y a certaines jeunes filles qui ont un syndrome ovulatoire très, très bruyant. Ça provoque beaucoup de bruit. Et justement, c'est ce liquide, hein, ce liquide qui est libéré par le follicule dominant dans la cavité péritonéale, qui irrite la cavité péritonéale, parce que là, le péritone, il est très sensible, hein, d'accord? Il est très innervé avec l'aisance, et ça donne des douleurs vraiment aiguës au cours de la période ovulatoire. Et en général, les jeunes filles adultes sont envoyées pour suspicion d'appendicite, alors que c'est uniquement un petit syndrome ovulatoire simple. Et bien sûr, quand on vous envoie une petite fille pour ça, il faut voir l'appendice et dire que ce n'est pas une appendicite. Voici toujours du liquide au niveau du Douglas. Donc la vessie et le comblement du Douglas. Alors ce liquide, il est comment par rapport à celui-là? Et par rapport à celui-là? Voilà, il est échogène, hétérogène. Donc échogène, c'est en fonction, en fonction du contexte, bien sûr. S'il y a un contexte traumatique, c'est du sang. D'accord? C'est du sang, épais comme ça. S'il n'y a pas de contexte traumatique, quand c'est épais comme ça, ça fait péritonite. Hein. Donc ça fait du liquide inflammé, infecté, purulent. Bon, il y a un autre contexte d'hémopéritoine.
chez la jeune dame, c'est la rupture du kyste ovarien, d'accord? La rupture du kyste hémorragique. Mais regardez, ça, c'est le Douglas qui est bien comblé en rétrovésical, qui est bien comblé par du liquide. Le liquide, il est un peu échogène déjà par rapport au contenu vésical. Là, c'est carrément échogène. Hein? C'est carrément échogène. Et vous voyez que ça monte, ça vient du Douglas et ça monte vers la fosse iliaque. Là, vous avez les vaisseaux iliaques. Hein? Le muscle psoas iliaque ici. Et ça monte vers la fosse iliaque droite. C'est épais. Ça... Donc, si c'est un contexte traumatique, c'est du sang. Si c'est un contexte non traumatique, c'est de la péritonite. Il n'y a pas 1000 diagnostics. Bon, il y a certaines carcinoses péritoniales chez les patients qui sont atteints de cancer métastasé. Il y a certaines carcinoses qui peuvent saigner comme ça, qui peuvent donner des hémopéritoines saignées. Hein, certains cancers. Hein. Donc, n'oubliez jamais, c'est selon le contexte. Quand c'est épais comme ça, c'est selon le contexte. Si c'est traumatique, c'est hématique. Si ce n'est pas traumatique, c'est une péritonite. Alors là, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. D'accord. Il y a des gens qui mesurent. Hein? Moi, je ne crois pas à tout ça. Je sais pas quoi. On peut dire si l'épanchement il est modéré. C'est des petites lames en général que vous verrez. Comme celle, la petite lame que vous avez vue dans le Morrison. Une petite lame dans les gouttières parétocoliques, ou là, une petite lame dans le Douglas, là, vous pouvez dire que l'épanchement est mort. S'il est abondant, il est abondant. Vous allez voir que les os intestinales flottent, etc. Le Morrison est vraiment comblé, etc. Donc, calculer, etc. Moi, je trouve ça... Font ça. L'aspect de l'épanchement, ne l'oubliez pas. Hein. N'oubliez pas quand il est échogène comme ça. Ça peut être du sang frais. Avec ce fin piqueté, hein, un aspect hétérogène. Ouais, quand l'épanchement est un peu subaigu, hein, après quelques heures, donc un ectrome, ça peut donner ce qu'on appelle un niveau liquide-liquide. Hein. D'accord? L'épanchement liquide-liquide, hein, ça c'est du liquide qui s'épaissit. Surtout quand c'est hématique, hein, ça c'est des sédiments hématiques. Ça peut donner l'aspect de niveau liquide-liquide. Mais ça reste du liquide. Hein. Ça reste du liquide. Et vous voyez là qu'il y a du renforcement postérieur. Hein. Vous voyez? Voilà. Ça confirme la qualité de liquide. Bon, vous explorez. Le pneumopéritoine à l'échographie, moi personnellement, je ne l'ai jamais vu. Je n'ai jamais cherché à le voir. Il y a des gens, les goulkas, les je vois un pneumopéritoine. Moi, je trouve ça un peu osé. Moi, j'essaie de rester simple, serein, d'accord? La pneumopéritoine, je fais l'échographie. Pour la simple raison que je peux me tromper, je peux prendre de l'air à l'angle colique droit pour un pneumopéritoine. Pneumopéritoine, soit c'est l'ASP, comme on faisait, ouais, et là, c'est le scanner, d'accord? Donc, dire qu'il y a un pneumopéritoine, l'échographie, c'est un peu osé. Pneumothoraxténie, la même chose. Et bien sûr, il faut toujours analyser les organes pleins. Parenchyme hépatique, rénal, surtout la rate. Mais pour les épanchements gazeux, c'est un peu... Bon, le rétropéritoine, c'est les reins et les vaisseaux, les gros vaisseaux, d'accord. Donc c'est les espaces qui sont limités par, occupés par les reins et les gros vaisseaux. Vous pouvez avoir des épanchements rétropéritoniaux par des hématomes rétropéritoniaux, par atteinte des reins, par atteinte du psoas, etc. Donc, moi, vous pouvez. Ça se voit, et c'est pas aussi difficile que ça. Mais quand il y a un hématome rétropéritoine, bien sûr, ça c'est automatique. Hein, donc, ça refoule les vaisseaux vers l'avant. D'accord? Ça refoule la aorte et la veine cave inférieure vers l'avant. Parce que l'hémopéritoine est rétropéritonial, donc il pousse tout ce qui est en avant, vers l'avant. Et l'aspect de la vessie est détenu en colloquant, c'est-à-dire. Là, c'est un niveau liquide-liquide au niveau de la vessie.
Et toujours, s'il y a le contexte traumatique, d'accord, ben déjà, s'il y a du sang dans la vessie, le patient, on vous dit que le patient, parce qu'en général, les polytraumatismes, ils vont déjà avec une sonde, etc. Donc, vous verrez déjà qu'il y a du sang dans la poche. Ou là, sinon, même si le patient est conscient, il ne sait pas qu'il a un problème, j'ai pissé du sang, mais même s'il n'a pas pissé du sang, si vous faites l'échographie, vous verrez un niveau, dans un contexte traumatique, bien sûr, vous verrez un niveau comme ça, liquide, là, vous savez que c'est du sang sédimenté. D'accord? Il faut donc, dans ce cas, du sang dans la vessie, il faut chercher une lésion au niveau des reins, ou là, une lésion au niveau de la vessie elle-même. Donc, toujours, le contexte, c'est important. Parce que le sang, tout ce qui est hématique, vous savez que les constituants du sang, ça change avec le temps. D'accord? Qui m'a les hématomes? T'as les muscles, t'as, si vous le voyez, les premières 24-48 heures, il est comme ça, anécogène, homogène, comme un liquide normal, hein, comme de l'eau, comme de la bile, comme ce que vous voulez. Mais à partir de 48 heures, il commence à s'épaissir un peu, à se cloisonner. D'accord? Se cailloter, ça donne un peu des caillots, des images hyperécogènes, sans compte d'ombre postérieure, bien sûr. Donc les collections hématiques changent avec le temps par les phénomènes de caillotage, de cloisonnement, etc. C'est pour ça que chez les traumatisés, les sportifs en général, quand vous faites l'échographie, vous trouvez une déchirure musculaire, un décollement myo-aponevrotique. S'il y a un hématome, il faut le ponctionner dans les 24-48 heures. Vous pourrez avoir plus de chances de le ponctionner en entier, parce qu'il se commence à se cloisonner, à s'épaissir, là, et ça fait retarder les délais de guérison. D'accord? Donc, quand il y a un hématome, il faut le ponctionner les premières 48 heures. Il commence à se cloisonner ou à s'épaissir, à se cailloter, ça devient difficile à vidanger en totalité. Et c'est la même chose ici. Hein. Voilà, ici, on a fait une échographie. Et là, entre la paroi et la surface hépatique, il y a cette image hyperéchogène avec cône d'ombre comme ça, avec un peu de queue de comète. Et là, on vous dit que c'est du pneumopéritoine. Et là, moi je ne cherche pas ce type d'image, mais ça peut être un syndrome de chylaiditi. T'as faux? Le chylaiditi. C'est pas une maladie, c'est une variante. Ça s'écrit chylaiditi, ça se lit chylaiditi. C'est le passage du côlon transverse droit en avant du foie. D'accord? Au lieu de passer, le mésocôlon, il passe en avant du foie et il descend. C'est une variante, mais qui peut être à l'origine du symptomatologie, de colopathie, etc. Donc le côlon peut passer ici, ça peut être un chylaiditi. Hein. Mais bon, ça c'est pour quand on veut être un peu emmerdant, on dit ça, mais bon. Mais moi, les pneumopéritoines, c'est pas l'échographie. Et là, il y a une image, en effet, hyperéchogène, comme ça. Mais là, ça peut être autre chose que de l'air. Hein. Image hyperéchogène, il y a plusieurs... ça peut être une lésion du sommet, de la surface hépatique, comme ça. Donc, les pneumopéritoines, c'est pas l'échographie. Alors, atteinte des parenchymes pleins, il y a le foie, les lésions du foie, des reins, de la rate surtout. Donc, en phase aiguë, c'est vrai que c'est un peu difficile, mais bon, avec les appareils récents, on peut faire le diagnostic de façon aisée. Au moins, dire qu'il y a une lésion hépatique, on a une lésion splénique ou la rénale, et envoyer pour le bilan précis, faire un scanner, d'accord? Donc, pour un bilan lésionnel précis, il n'y a pas mieux que le scanner. Hein? Voilà. Parce que l'échographie peut majorer la lésion. D'accord, une petite lésion, vous la verrez plus importante en échographie. Alors qu'on fait le scanner, vous vous rendez compte que c'est une petite lésion, qu'on peut juste surveiller, mettre le patient en surveillance, en suivi. Et là, elle peut minimiser la lésion. D'accord. Sinon, elle peut passer à côté de certaines lésions qui ne sont pas visibles, surtout au niveau de la rate. Les lésions capsulaires et sous-capsulaires, elles sont des fois difficiles à voir à l'échographie. Déjà, vous avez vu la rate, elle est très exiguë, donc difficile à explorer. Et dans un contexte traumatique, il y a toujours de la réaction aérique, du côlon, etc. Donc ça devient un peu difficile à explorer. Mais bon, quand on fait un examen soigneux, minutieux, on arrive quand même à voir et orienter vers plus d'exploration.
Donc, en général, la teinte, elle est hyper écogène, etc. Voilà. Elle est peut-être surtout sous-estimée en échographie par rapport au scanner. Donc, il faut toujours, 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 chez un polytraumatisé, complété par un examen scanographique. Alors, quand l'état général est bon du patient, quand le patient est conscient, d'accord, il a juste un peu mal parce qu'il a une contusion, etc. Donc, quand l'état général est bon, conscient, il respire bien, il est, hein, et que vous faites l'échographie, vous ne trouvez rien, là, c'est pas la peine de demander un scanner, hein, parce que le patient, il est bien, cliniquement, il n'y a aucun problème, d'accord. Mais quand l'état général est altéré, d'accord, quand le patient est inconscient, vous faites l'écho, vous ne trouvez rien, vous dites non, il n'y a rien, c'est pas la peine. Non. Il faut faire le scanner. Quelqu'un qui n'est pas conscient, un traumatisé qui n'est pas conscient, il faut toujours faire un scanner parce qu'il y a certaines lésions qui passent inaperçues à l'échographie. Les lésions traumatiques. Voilà, il faut toujours vérifier l'état de la rate. C'est très important. Bon, les contrastes, ça existe déjà depuis plusieurs années. C'est l'échographie qui est réalisée avec injection de produits de contraste. D'accord? On utilise en général des petites lobules, des petits globules de glucose. Parce que le glucose, si vous voulez, c'est le nutriment qui est utilisé par tous les tissus pour l'organosynthèse. D'accord? Donc tous les organes ont besoin de glucose. D'accord? Donc au lieu d'injecter du produit de contraste, on injecte dans du liquide physiologique des petits granulés de glucose qui sont absorbés par les. Par tous les organes, et quand il y a une lésion, en fonction de la diffusion de ce produit de contraste, c'est comme pour le scanner, quand on injecte du produit de contraste, c'est la même chose. Donc voici une lésion hépatique ici, hein, on a fait une échographie. Là, vous voyez qu'il y a toute cette zone qui est un peu hétérogène au niveau du foie, remaniée. Hein, la région a dit le foie droit, hein, donc aux environs de l'aine du 7, un peu le 5 ici. Vous avez une zone hétérogène avec ces plages hypoéchogène à l'intérieur. Et quand on a fait le scanner, regardez que le scanner, la lésion, elle est plus nette, hein. C'est plus précis. Hein. Vous la voyez? Là, vous avez le ligament rond, le lobe caudé, et là, vous avez cette lésion. En avant, des vaisseaux portes qui sont des veines, je sais pas, qui sont opacifiées par le produit de contraste. Ça, ce qui est blanc, c'est les vaisseaux, on injecte du produit. Hein. Donc, elle est traumatisée, on fait un scanner injecté. On injecte du produit de contraste. Ça améliore le contraste, ça nous montre des lésions qu'on ne peut pas voir sans injection. Et là, vous voyez qu'il y a cette lésion et cette lésion. Donc ça, c'est des petites fractures intraparenchymateuses au niveau du parenchyme hépatique. D'accord? On les retrouve ici. On les retrouve ici. Et là, c'est une autre coupe. Mais il y a quelque chose qui n'est pas normal ici. Les trois coupes. Bon, vous n'avez pas l'habitude de voir les scanners, mais bon. Il y a un trouble de diffusion au niveau du parenchyme hépatique. Regardez ici, le parenchyme, comment il est, et regardez cette zone. Vous la voyez? Vous voyez? Cette zone hyper dense qui a pris beaucoup de contraste. Ici aussi, petite zone, là, là. Et là, c'est un trouble de diffusion post-traumatique. Et quand il y a trouble de diffusion, ça veut dire qu'il y a lésion vasculaire, hein. Soit lésion vasculaire, soit artérielle, soit veineuse. D'accord? Donc c'est un trouble de diffusion qui est minime, qui n'est pas très important, mais qui existe. Donc le foie, à l'état normal, il est homogène. Quand on injecte du produit, la prise de contraste, elle est homogène sur tout le foie. Et là, c'est un petit foyer, donc un déficit diffusionnel sous-capsulaire hépatique post-traumatique. Et là, ça nous oriente vers des lésions de petits vaisseaux, bien sûr. Et si vous voyez, c'est l'anatomie, c'est la même chose que pour l'échographie. Hein. C'est une coupe transversale. Hein. Là, on met la sonde ici, on met notre sonde ici, on l'oriente vers le foie. Et rappelez-vous, vous voyez cette coupe-là. Vous avez la veine hépatique droite qui est un peu horizontale, la veine hépatique porte droite, la veine porte gauche qui est plutôt antéro-postérieure. Hein. Vous avez le ligament rond, vous avez le lobe caudé ici. Entre le ligament rond et la veine cave inférieure. Hein. Vous avez à gauche l'estomac, vous avez votre aorte. Donc c'est pratiquement
comme les coupes échographiques. Là, vous avez la région du 6, ici, voisinage du Rhin, hein, le 7 et un peu le 8. Bon, il n'y a pas de 8 ici, hein. Il y a uniquement un peu de 7, hein, parce qu'on est un peu en bas. Et là, c'est l'estomac qui est plein. Et vous avez la rate ici, qui est homogène, il n'y a pas de lésion. Il n'y a pas de lésion au niveau de la rate. Donc l'échographie déjà nous dit qu'il y a quelque chose de pas normal ici, hein, avec cette zone hypoécogène qu'on retrouve ici. Et finalement, cette zone hypoécogène, c'est une lésion du parenchyme, c'est une petite lacération, petite fracture du parenchyme hépatique qui n'est pas transfixiante, hein. Elle ne va pas de bout en bout, c'est pas très grave. Ça va. Et vous remarquez déjà qu'il n'y a pas d'épanchement en sous-capsulaire, d'accord? Il n'y a pas d'hémopéritoine en sous-capsulaire hépatique, donc ce n'est pas aussi grave que ça. Et ça, c'est les cul-de-sac pleuraux, hein. Ça, c'est la plèvre noire, c'est le poumon avec les cul-de-sac pleuraux. Et bien sûr, avec là, les piliers du diaphragme, pilier droit, pilier gauche, les voici les piliers. Et la surrénale ici. La droite, on ne la voit pas encore. Donc là, vous faites l'écho, traumatisme, la moindre hétérogénéité tissulaire, ça doit attirer votre attention. Dites là, attention, il y a une lésion hépatique, d'accord? Indiquant un scanner. Voilà, donc n'oubliez pas l'état clinique du patient. Quand le patient est conscient, bon état clinique, pas de troubles hémodynamiques, ben vous faites l'écho, s'il n'y a rien, vous n'êtes pas obligé de passer au scanner. Si l'état hémodynamique est perturbé et atteint, là, faites attention. Si vous faites l'échographie et qu'elle est normale, il faut toujours compléter par un scanner. Mais quand il y a des lésions, en général, dans la plupart des cas, on les voit de façon aisée à l'échographie. Les lésions, des organes pleins, etc. Et surtout, ce qui attire l'attention, c'est les épanchements. D'accord? Épanchement péritonéal post-traumatique, faites attention. Donc il y a une lésion quelque part, vous devriez toujours compléter par un scanner. Mais si vous avez la chance de voir la lésion en faisant l'échographie, vous tombez sur du liquide qui est un peu épais. Bon, au début, l'hémopéritoine, il est homogène, hein, c'est comme l'acide. Hein. D'accord, il est homogène. Donc vous faites l'écho, vous tombez sur un épanchement, vous examinez, vous voyez qu'il y a une petite lésion au niveau de la rate. Là, vous savez qu'il y a une lésion de la rate avec hémopéritoine, donc c'est une lésion qui saigne. Donc là, vous êtes tiré d'affaire. Donc l'épanchement, ça doit attirer l'attention sur l'éventuelle lésion des organes abdominaux. Donc ça, c'était les urgences traumatiques. Et les traumatiques, bon, vous avez le contexte, c'est facile. Quelqu'un de traumatisé, percuté par une voiture, ou là, une chute, ou là. Et là, il vient, vous faites l'échographie, vous cherchez les lésions, vous cherchez l'épanchement. D'accord? Là, on passe aux urgences non traumatiques qu'on vous ramène pour le maître symptôme, c'est la douleur. D'accord? Douleur abdominale. Donc, bien sûr, la clinique, l'interrogatoire, vous demandez si la douleur est récente, si elle est aiguë, en barre, épigastrique, si elle évolue depuis plusieurs jours, etc. Donc, ça, cela va vous aider. Le siège de la douleur, c'est ça va vous orienter vers telle ou telle pathologie. Alors, la première urgence connue depuis l'Antiquité, depuis le début de l'humanité, donc l'appendicite aigu. C'est la fosse iliaque droite. Le problème de l'appendicite aigu, c'est le polymorphisme clinique, biologique et échographique. Donc vous pouvez recevoir quelqu'un qui a mal au niveau de la fosse iliaque gauche, alors qu'il a une appendicite, qui a mal au niveau de la fosse lombaire, alors que c'est une appendicite, qui peut avoir mal au niveau de l'épigastre, alors que c'est une appendicite. Pourquoi? Parce que cet appendice, il peut se balader n'importe où dans l'abdomen, il peut être position normale, sous la dernière encilière, il peut être sous-sécal, il peut être rétro-sécal, il peut être sous-hépatique et il peut être mésocéliaque dans le pelvis. D'accord? Des fois, c'est le côlon qui pose problème, c'est le sécom qui pose problème, les sécoms pelviens. Il y a des sécoms qui sont hyper lents,
d'accord, qui ne sont pas fixes et qui vont jusqu'au niveau du pelvis. Ça, vous pouvez demander au chirurgien, il vous le confirmera. D'accord. Donc, le problème, c'est à l'appendicite, c'est le polymorphisme clinique. D'accord. Des fois, cliniquement, vous appuyez sur la fosse iliaque, l'enfant ou le malade crie de douleur, etc. Vous dites, c'est une appendicite. Vous demandez une FNS pour chercher une hyperleucocytose. Alors, vous avez tous les critères cliniques et biologiques et vous envoyez, vous faites une échographie, on vous répond, appendice normal. Ça existe ? Les enfants avec les affections ORL et les petites jeunes filles. Les petites jeunes filles qui arrivent à l'âge des ménarches. D'accord ? Les premières règles, ça pose un gros problème. Hein? Donc l'appendicite aiguë, c'est ça. Bon, ce dont je viens de vous dire, ça, c'est pas les cas les plus. Heureusement, les plus fréquents. Hein? Les plus fréquents, c'est l'appendicite normal, fosse iliaque, douleur, etc. Avec hyperleucocytose. Et vous mettez la sonde, vous trouvez un appendice tuméfié avec tous les signes de trucs, etc. Mais il y a des exceptions, ça existe, et c'est quand même dans une bonne proportion. Et il y a le problème, tu as les appendicites équivoques. Les appendices équivoques. C'est une appendicite et ce n'est pas une appendicite. Vous recevez un patient, vous faites l'échographie, il a mal au niveau de la fosse iliaque droite, vous faites l'échographie, vous trouvez un appendice qui fait entre 6 et 8 mm. Parce que normalement, l'épaisseur admise, normale, c'est jusqu'à 6. D'accord ? Mais vous pouvez tomber sur un... Moi, je suis passé plusieurs fois par cette situation. Plusieurs fois. Hein. Et vous allez tomber dans cette situation. D'accord ? Un appendice qui fait entre 6 et 8, 6 et demi, 7. D'accord ? Mais sans épaississement pariétal, sans stercolite à l'intérieur, sans réaction de la graisse, sans épanchement. Et vous dites appendicite... Catarral, comme ça, c'est un peu délicat. Mais bon, même si vous dites appendicite, vous pouvez vous contenter de l'épaisseur et dire que c'est une appendicite 4 pour moi, ça dépasse 6 mm et c'est une appendicite 4. Mais croyez-moi, ces appendicites équivoques, hein, ça guérit sans traitement. En 24 heures, ça peut revenir à la normale. D'accord? Donc il y a le problème, c'est qu'il y a les appendices équivoques, ça existe. Et actuellement, il y a plusieurs équipes qui préconisent un traitement médical. L'expectative, quand il n'y a pas de stercolite, quand il n'y a pas de réaction péritonéale, il n'y a pas de péritonite locale, quand il n'y a pas de collection périssécale, quand il n'y a pas d'abcès, ils disent que moi je temporise, ils gardent le patient en observation, d'accord, ils mettent des poches de glace qui m'ont les onglets. Et ça réussit, hein, ça réussit dans pas mal de cas. Le lendemain, le patient rentre chez lui, sans appendicite. Mais c'était... Moi, je me dis que c'est peut-être une appendicite avortée qui m'a goulé. C'est une petite appendicite catarrhale, mais c'est rentré dans l'ordre, l'immunité qui intervient et tout. Donc, le problème, c'est les appendicites hindous qui ne sont pas vraiment des appendicites. Donc, il y a l'appendicite aiguë. L'appendicite aiguë, c'est les extrêmes d'âge. Hein, le plus fréquent chez l'enfant et c'est le sujet âgé. Hein. Ça, c'est connu, hein. Des sujets, elles sont assez fréquentes. Hein. Donc, le tractus pancréatique ou biliaire, les cholécystites, les géniocolites, coliques hépatiques et surtout les pancréatites. Hein. Pancréatite, la douleur en barre, aiguë, etc. Les occlusions intestinales sont plus fréquentes flegrelles que flocolons. D'accord. Donc, les occlusions. Donc, si, disons, elles peuvent se faire sur une bride. D'accord, post-opératoire, ou là sur. Voilà, ça peut être un volvulus, une invagination. Ça, c'est l'apanage des enfants, des petits-enfants. Il y a même pas 10 jours, on m'a envoyé un enfant pour. Il y a un radiologue qui l'a vu à l'école, une invagination, un enfant de 9 ans. Parce que normalement, l'invagination, c'est. Hein, c'est les petits-enfants jusqu'à 3, 4 ans maximum. Hein, maximum. On a 9 ans et c'était une invagination ou fixée. Fixée, je l'ai vue, elle est restée telle qu'elle. C'était une invagination avec bien sûr une dilatation de les os d'amont et d'aval. Donc il fallait tenter un traitement, soit par hyperpneumatisation ou la chirurgicale. Mais 9 ans, hein, donc ça peut exister. Il y a un de l'enfant plus grand et ça peut exister un de l'adulte, hein, les invaginations. Mais c'est dans la plupart des cas chez les petits-enfants.
Les hernies, bien sûr, étranglées, soit les hernies internes. Le problème, c'est les hernies internes, le diagnostic, il est très, 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 très difficile. Très difficile. Les hernies internes, elles sont vraiment très difficiles à diagnostiquer. Les coliques néphritiques, ça, pyélonéphrite, ça, c'est facile, normalement, vous faites l'échographie. Des fois, on vous envoie, tiens, pour douleur de la fosse iliaque droite, et vous faites l'écho. Là, c'est une situation qui est très, très, très fréquente. Il y a 2 jours, que j'ai vu une dame comme ça. Je vous montrerai son cas, parce que j'ai trouvé plusieurs choses. Elle était venue pour, voilà, mes suspicions d'appendicite. Ils l'ont envoyé pour suspicion de torsion de kyste de l'ovaire. Alors, je ne sais pas pourquoi ils ont évoqué la question de torsion. Elle était âgée, elle avait presque 50 ans. Un peu obèse quand même, avec le ventre, etc. Les bonnes mamans, à quoi elle est belle comme. Elle était suspicion de torsion. On a qui galou les suspicions de torsion. Je croyais qu'elle avait un kyste de l'ovaire connu. D'accord. Quand on a un kyste de l'ovaire, on sait qu'il y a un kyste. Quand il y a une douleur pelvienne, on se dit que soit le kyste s'est tordu, ou là, il a saigné. Mais finalement, je n'ai jamais eu d'histoire de kyste. Mais je suis allé le médecin qui l'a dit, suspicion de torsion de kyste. Bon, passons. Et je fais l'écho, et c'était une lithiase enclavée dans le méa. Une lithiase au niveau du méa urétral inférieur. Bon, quand elle m'a décrit la douleur, j'ai compris que c'était rénal. Parce que la douleur, la colique néphrétique, elle est terrible. Elle est terrible, elle est plus terrible que la rage de dents. Elle est insupportable. Donc c'était une petite micro-lithiase au niveau de 6 ou 7 mm. Et j'ai trouvé chez elle, j'ai trouvé des nodules rénaux, je vous les montrerai, des nodules de chacun, et j'ai trouvé une formation kystique multiloculée dans l'espace intersplénorénal. Alors, je me fais un petit chouette. J'ai cherché, vous savez que c'est un kyste hydatique, puis péritoine. Ailleurs, elle n'avait pas de lésion kystique. Mais écoute, là, il faut faire un scanner pour au moins savoir qu'est-ce que c'est. Une lésion, je vous la montrerai. Je vous la montrerai en échographie, Inch'Allah. Et voilà ce que je voulais vous dire. Il y a tenu quelques jours, un jeune homme de 32 ans, surtout elle était infirmière, tenu pour appendicite. Parce qu'il avait, mal. Il avait des douleurs un peu paroxystiques qui duraient depuis quelques jours déjà. Et douleur de la fosse, surtout, c'était un peu bon. Transit perturbé, mais pas d'arrêt de matière et des gaz. Bon, j'ai fait l'écho. Alors, il avait un écran gazeux terrible. Je ne pouvais rien voir. Well, j'ai pu voir le foie à peine. J'ai pu voir le foie, la vésicule, mais c'était vraiment difficile. Il n'était pas obèse. Hein. Il était très normal, de poids normal, elle kiffe. Mais il avait une distension importante. Je ne savais pas si c'était le colon ou là, le grêle qui était distendu ou là, les deux. surtout un Nigérien, j'ai pas pu voir les intestins de Saou. Alors là, tu as l'appendicite qu'on doit charmer, je fauche. Donc, il vaut mieux qu'on lui fasse un scanner. 32 ans, et c'était un syndrome presque occlusif du colon sur un adénocarcinome du colon gauche. 32 ans. Alors, je m'attendais à tout sauf à ça. Alors, lui, tu te chauffes mal à la lésion, c'est inflammatoire. Je vous jure que c'était malin parce qu'il y a l'aspect entre oignon de pomme, etc. Et je vous montrerai le. Et voilà. J'ai insisté, mais la fosse iliaque, et j'ai pu voir l'épaississement pariétal. La lésion indique l'épaississement pariétal du colon gauche, je vous le montrerai, à 32 ans. Bon, il y avait la lésion, elle faisait 5 cm de hauteur, elle était presque totalement sténosante. Alors le colon, au niveau du sécom, il faisait 10 cm. Et c'était le sécom, la distension du sécom qui lui faisait mal. Alors la lésion, elle faisait 5 cm de hauteur, presque totalement sténosante. Elle avait un aspect bourgeonnant, infiltrant et bourgeonnant, avec des adénopathies autour et une infiltration déjà de la graisse. Donc le processus cancéreux est passé déjà au mésentère, au mésocolon. D'accord. Donc ces situations à dos d'urgence, et c'est parce que c'est une lésion qui a évolué à bas bruit. Il n'a jamais eu de rectoragie, il n'a jamais eu de. Fritoumlef, l'interrogatoire, il dit des fois j'ai des douleurs comme ça, mais il a des mangoulous le colon, 32 ans. Bon, je vais te dire, les chirurgiens, tu m'as dit que bon, le post-op il est long, ça va leur côté, etc. Ben, tu vas à l'hôpital parce qu'il y a l'éventualité d'une colostomie. Ça reste une éventualité, donc.
Donc, les coliques néphrétiques, hein, n'oubliez pas. La pathologie gynéco, ça, c'est vraiment emmerdant. Hein. Voilà, les kystes, est-ce qu'ils sont hémorragiques, est-ce qu'ils sont tordus, est-ce qu'ils sont... Donc, les kystes ovariens, les ruptures de follicules, ça, c'est une situation très fréquente. Alors, quand vous recevez une jeune dame qui a très mal au niveau de la fosse iliaque, et en général, beaucoup plus la fosse iliaque droite. Je ne sais pas pourquoi ça va à la fosse iliaque droite. Ça doit être certainement pour des raisons anatomiques. Alors on vous envoie toujours pour suspicion d'appendicite. Alors, quand c'est une jeune fille, faites attention, vous faites un petit interrogatoire. Normalement, déjà à l'interrogatoire, vous étiez les bactéries. Hein, vous dites que je suis en milieu de cycle, etc. Vous faites l'échographie, vous trouvez un peu de liquide au niveau de la fosse iliaque, comme ça, et c'est sensible au passage de l'écho. Là, vous dites, c'est un petit syndrome... ovulatoire simple, etc. Il a la torsion des annexes, les salpingites et bien sûr, l'urgence des urgences, c'est la grossesse extra-utérine. Alors la grossesse extra-utérine, ne vous attendez pas à avoir un sac gestationnel en dehors de l'utérus, hein, là, l'activité cardiaque. Là. Tout ce que vous pourriez voir éventuellement, c'est un épanchement au niveau du douglas. D'accord ? Il y a surtout la clinique et la biologie. Hein, la clinique, il y a la notion de retard, d'accord ? Un retard de quelques jours, d'une semaine, deux semaines, l'oula, la douleur aiguë d'installation brutale, torride, insupportable, et surtout les bêta-ACG. Hein. Donc l'échographie, vous ne pouvez rien voir. Hein. Juste un petit épanchement, hein, d'accord, une petite image avec de la latéro-utérine. Mais là, quand elle est jeune, en activité génitale, quand la douleur est aiguë, quand il y a la notion de retard, vite, 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 bêta-ACG. Et c'est les bêta-ACG qui vous disent s'il y a GU ou non. Hein. D'accord. Bien sûr, il y a les salpingites, les hydrosalpinx, etc. Et la perforation d'organes creux, surtout perforation d'ulcères gastro-duodénaux. Là, la douleur, elle est épigastrique, avec l'épanchement épigastrique. C'est un peu typique. La douleur, elle est importante, avec l'épanchement péritonéal, bien sûr. Et la pathologie du sigmoïde, les diverticules, les diverticulites. La perforation d'un diverticule, ça, c'est la pathologie du troisième âge, un des sujets âgés. Quand il y a la douleur au niveau du flanc gauche, vous faites l'échographie, vous voyez qu'il y a des images pas très catholiques en regard du sigmoïde. Ou là, s'il y a une collection, là, un épicissement pariétal, pensez à la diverticulose sigmoïdienne avec ses complications, bien sûr. La sigmoïdite diverticulaire. Donc ça, c'est l'essentiel des urgences abdominales. Donc la topographie de la douleur, comme ça oriente déjà. Donc un bon interrogatoire, c'est important. Donc si la douleur épigastrique, en général, c'est la pancréatite ou la pathologie ulcéreuse. L'hypocondre droit, c'est le foie avec les voies biliaires. Lombaire, c'est les reins. Hein. Donc quand il y a de la fièvre, pensez à la pyélonéphrite aiguë. Hein. Ça peut donner des douleurs, vraiment, comme la colique néphrétique. Fosse iliaque droite, en général, c'est l'appendicite. Chez la femme, ça peut être aussi un problème ovarien. Fosse iliaque gauche, les diverticules, le sujet âgé. Donc là, déjà, vous avez des orientations. Ça, c'est la clinique, vous la connaissez mieux que moi. Alors, la pancréatite, une échographie normale n'élimine pas une pancréatite œdémateuse. D'accord ? Normalement, la pancréatite, ce n'est pas l'échographie. C'est le scanner. Quand il y a une suspicion de pancréatite, alors... Là, pour indiquer le scanner, il y a des... Toujours, on revient toujours à la clinique. Et bien sûr, vous faites l'échographie. C'est une bonne dame, hein, une diabétique ou la obèse ou la normale. D'accord ? Et elle vous dit qu'elle avait des lithiases vésiculaires. Et elle vient avec une douleur épigastrique. Il n'y a pas 36 000 diagnostics. Soit c'est une cholécystite, hydrocholécystite, ou là c'est une pancréatite, ou là les deux. D'accord. Déjà, cliniquement, vous êtes orienté. Alors, vous faites l'échographie, vous voyez la vésicule, bon, vous trouvez que la vésicule, elle est distendue, puis il y a des lithiases, là, des micro-lithiases, avec une paroi épaisse, et vous mettez la sonde au niveau du pancréas. Le seul signe que vous pourriez voir, c'est une pancréatite aiguë, œdémateuse, hein, débutante, hein, c'est l'épaississement de la tête, enfin, l'épaississement du pancréas au-delà de 3 cm. D'accord. Au-delà de 3 cm, et même les constructions, elles peuvent se modifier. Donc le pancréas devient soit hypoécogène comme ça, vous voyez qu'il devient hypoécogène, hein, très hypoécogène par rapport au parenchyme hépatique, presque anécogène,
Ou là, au contraire, il peut devenir hyper-écogène. D'accord? Hyper-écogène. Il y a la règle, où je te goûte. Vous recevez un patient, une patiente, hydrocholécystite sur l'ithias avec douleur lombaire. Bon, il y a la biologie, bien sûr, hein, la mylasémie, etc., la lipasémie, mais c'est le scanner qui... Et encore, le scanner, les premières 24 heures, les pancréatites œdémateuses, il ne montrait rien. L'examen peut être normal. C'est pour ça qu'il est recommandé de reporter l'examen d'au moins 48 heures. Il faut au mieux le faire entre 48 et 72. D'accord? Voilà, la pancréatite, vous avez le contexte. Les pancréatites, la cause la plus fréquente, c'est les causes biliaires, mais il y a les autres causes, hein. Les causes éthyliques, les maladies de système, d'accord? Il y a plusieurs causes. Donc, un examen échographique normal n'élimine jamais une pancréatite. Tout ce que vous pouvez avoir comme signe à l'échographie, c'est l'épaississement de la glande pancréatique au-delà de 3 cm. Alors là, si vous avez, vous commencez à avoir des épanchements liquidiens péripancréatiques ou là, intrapancréatiques, là, il n'y a pas photo, c'est une pancréatite. Donc là, vous envoyez faire le scanner pour la classification, d'accord? Pour voir s'il y a de la nécrose ou non, est-ce que les collections sont parties en dehors de la loge pancréatique et pour faire, bien sûr, la classification de Balthazar. D'accord? Donc, un examen échographique normal n'élimine jamais une pancréatite. Faites attention. La clinique, la biologie. Mais quelle est une autre situation à laquelle moi, je suis souvent confronté, parce que je vois beaucoup d'urgences, c'est que tu as un bilan, les pasimes, etc., très élevé, et on fait le scan, il n'y a pas de pancréatite. Bon, il y a toujours, toujours une pathologie biliaire, hein, cholécystite ou là, mais pas de pancréatite, malgré que les hormones sont élevées. Hein, d'accord? Donc, c'est pas. Donc, rappelez-vous, donc le pancréas peut être hyper-écogène, donc il paraît plus blanc que normalement, ou là, hypo-écogène comme ça, remanié avec des contours irréguliers, et là, ça fait pancréatite. D'accord? Bon, je pense qu'il est 10h30, parce que nous, moi, donne une petite pause. D'accord? Et on reprend le reste des urgences non traumatiques. D'accord? On fait une petite pause.